stressé? Non, en tant que tu ne me poses pas de colle. Quelle est ta plus grande qualité? Ma plus grande qualité, à part d'être gentil, honnête et généreux, ma plus grande qualité, I don't know. Non, je suis pas patient. Plus grande qualité. Plus grande qualité. Ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi ma plus grande qualité? That's it? Tu sais pas? T'es caring. C'est quoi en français? Ah, je sais pas. C'est pas caring. OK. Et qu'est-ce que tu dirais qui est ton plus grand défaut? Impatient. That's it? Tu sais pas? Je suis français, fait que je me laisse l'impatience. Je grogne beaucoup. C'est ma façon de faire passer un message en criant. Puis la petite bête, Manon, c'est quoi sa top qualité? Top qualité. Top qualité. C'est pas ça. C'est une colle, ça? T'as pas dit pas de colle! Top qualité de la petite bête. Ouais, c'est long! Ponctuel? Non, ça, c'est tu laisses simplement. Tu es avec moi juste pour mes fesses. Non, ce serait. Ouais, pas tes fesses. What? Intelligente, gentille, jolie, tu vieillis bien, toujours de bonne humeur, tu ris tout le temps. Ben, une couple de jours par mois, non, là, mais en général. Et son top défaut? Ça va être facile. On n'a pas assez de mémoire sur la carte mémoire pour ce top défaut. top défaut. Manque de focus. En fait, c'est drôle parce que je savais qu'il y en avait, mais c'est jusqu'à temps que je travaille avec toi que je réalise à quel point. Là. Tu manques de... Il y a beaucoup de bifurcations. Tu sais, le chemin, là? Et donc, il fait ça souvent. Là. Mais est-ce que je me rends à destination, oui ou non? Oui. Peut-être pas le même jour, mais tu te rends à destination. Fait que c'est comment travailler avec son amoureuse à temps plein? Honnêtement, ça va bien. On doit quand même déterminer bien nos rôles encore. Ça, c'est pas fait encore. Puis on manque de communication. On a de la misère à se dire, comme les deux, on travaillait, mais en fait, on n'a jamais travaillé ensemble. On est encore au début d'essayer de se... faut qu'on se place, non? On n'a pas trouvé nos rôles encore respectifs, qu'on fait exactement, là, puis que l'autre... On est toujours en train de vérifier un peu l'autre. Encore. So it's still in the works. Quel type de papa es-tu? Ben, le meilleur. Définitivement un papa poule. Ouais. Tu me donnes ça tout. Oh, oui, c'est. Non, c'est pas le fun d'être papa poule. C'est vraiment stressant. Ça ajoute à mon anxiété que j'ai déjà dans le tapis. Quel pays aimerais-tu visiter prochainement? Je veux retourner au Japon, définitivement. Mais on dirait que c'est ça, le Japon ou le genre la Suède, la Suisse, tout pays nordique, là. La Suisse comme pays nordique, oui, parce qu'en hauteur. Ben, oui, les montagnes, les Alpes, j'ai le goût de l'Italie, oui, l'Italie aussi. Ta recette préférée de la petite bête? Ma recette préférée de la petite bête, c'est sûr que la fondue au fromage était vraiment, vraiment bonne. Je peux pas dire le pain parce qu'on en a souvent. Hein. J'aime beaucoup le pain, mais c'est comme... T'es rendu blasé de mon pain? Ben non, il est extraordinaire. Écoute, arrête, là, t'en as fait un cette semaine là, que j'ai... J'ai louangé. Bon, donc fondue au fromage, ton plat préféré? Moi, je pense le fondue au fromage. La vraie, la vraie fondue, là, I was flabbergasted. Un plat, puis là, pas nécessairement la petite bête, là, en général, un plat que tu détestes et pourquoi? Oh, même pas dur. Des endives avec du jambon puis une béchamel, là. Épouvantable. Ça, puis la ratatouille. Ça, là,
You wanna kill me? Tu veux me tuer, là? Tu me donnes un plat d'endives avec des ratatouilles, là. Un jour, ah non, ça c'est clair, si tu commences à me servir de la ratatouille toutes les semaines, tous les jours, là, je comprends le message. I'm packing my bags. Zucchini, les courgettes, c'est ce qu'on appelle, hein? Les courgettes. Des zucchini, c'est des courgettes? Ouais. Dégueulasse. Dégueulasse. Puis dans les plats que Manon te prépare et que t'aimes plus ou moins, mais que t'oses pas trop le dire parce que t'as peur de son caractère? Des trucs avec le quinoa, il y a des certaines salades, là, qui sont comme vraiment beau. C'est aucun intérêt, là. Des fois, là, tu pars sur une dérape de santé, là, puis là, c'est moins appétissant. Est-ce que tu as un objectif pour dans 5 ans? Mes enfants vont avoir 17 ans, ils vont se foutre de notre gueule. Ben, faire plus de voyages avec toi, définitivement. Passer plus de temps ensemble. Juste nous deux. Soit toi ou une plus jeune. Non, mais recommencer un peu parce qu'on a vécu beaucoup d'années sans les enfants. Puis on a eu des très, très bonnes années. C'était vraiment le fun. Puis je veux retrouver ça un peu. Ben pas un peu, je veux retrouver ça. Les enfants, c'est ben ouais, on va les avoir toute notre vie, mais j'ai hâte un peu qu'ils commencent à traîner en arrière là, quand ils veulent plus voyager avec nous. Là. Et au point de vue professionnel, définitivement continuer à ne pas avoir de patron. Ben, pour toi, chérie. Continuer à faire ce qu'on fait comme ça. Si c'est la petite bête, tant mieux. Si c'est autre chose, parfait. On a notre projet qui s'en vient. Fait que ça devrait être intéressant. J'ai hâte. Bon, ben, y a-t-il d'autres choses que tu veux ajouter pour les abonnés? Ben, abonnez-vous. En grand nombre, s'il vous plaît. On veut atteindre 30 000 avant Noël et on est présentement à 28 000. Chose... Non, même pas. 28 000 et des poussières. Allez liker. Je vous aime. Passez une belle fin de semaine. On se voit lundi.